Alors, bon, bonjour à tous, hein. Je me donne une heure chrono, maxi. Nous sommes à nouveau dans une enfance, dans le lard, hein. Il y a des moments où on ne peut plus essayer de garder l'équilibre. J'appelle tous ceux qui regarderont ce direct. Nous sommes quel jour? J'ai pas la mémoire des dates. Désormais, il va falloir qu'on date nos directs. Parce que nous autres Camerounais sommes complètement en train de devenir fous. Il va falloir qu'on date nos directs. Dès le départ, j'aurais dû regarder la date tout à l'heure. Nous sommes le 22, je crois. Nous sommes le 22 avril, je pense. Hein. Je peux me tromper. J'invite tous ceux qui ont suivi la journée d'hier. Je les invite à rentrer, regarder les directs dans l'ordre de parution. Je suis la première à faire les directs le matin, hein, par choix. Ça m'évite de courir. Très souvent, le soir, je suis out. Non, je préfère. Ça me permet de démarrer la journée. Et c'est une plage horaire qui n'est quasiment jamais occupée. J'invite donc ceux qui suivent, les résistants que nous sommes, d'aller rembobiner les directs de la journée d'hier. Et d'en tirer leurs propres conclusions. Hier encore ce matin, assise à cet endroit, à ce même endroit, je parlais de ce qui est arrivé hier, à savoir des personnes qui ne savent pas mettre leurs égos de côté, les personnes qui passent leur temps à se taper dessus, qui ne savent pas échelonner les actes. Eh oui. Des personnes qui ne savent pas ou qui ne se disent pas que ceci est plus grave que cela, on ne peut pas mettre ça au même niveau. Que ce soit chez nous, Africains, comme on adore dire, que nous en Afrique, ça ne se passe pas comme ça. Même chez nous, là, il y a quand même un ordre d'échelonnement des événements ou des actes. Et des crimes. C'est échelonné. J'ai pris des notes. Hein. C'est là où je confirme que nous sommes en voie de mutation. Je ne sais pas dans quel sens, mais nous sommes en voie de mutation. Parce que c'est juste inconcevable de vouloir inverser les choses parce que une certaine façon de faire ne vous plaît pas. C'est pas parce que tu cries que quelque chose est faux que ça devient faux. Ce n'est pas parce que tu essaies de renverser la vapeur parce que la manière ne te plaît pas que le fond du problème change. Vous avez vu le titre de mon direct, n'est-ce pas? Nous autres Camerounais, on nous a élevés à faire. On nous a élevés à faire au mieux. Chacun s'arrête à uniquement. Par contre, il y en a qui cumulent les trois. Il y en a qui cumulent les trois. Parce que ça les arrange de cumuler les trois. Aucun sens des responsabilités. J'ai rien vu, j'ai rien entendu, je ne dis rien. Et c'est par personne pense que nous pouvons fonctionner comme ça, nous pouvons bâtir comme ça. Il y en a qui ont de l'animosité envers quelqu'un d'autre. Pour peu que tu parles à la personne, pour peu que tu travailles avec la personne, on t'inclut dans le problème. Je vous ai dit que nous ne sommes plus dans une cour de récré. Hier, je le disais. Que les Camerounais sont restés dans une cour de récré du primaire. Nous sommes dans une vaste cour de récréation où personne n'est jamais responsable de rien. Où personne n'est jamais responsable de rien. Où personne n'assume jamais rien. Où il ne faut jamais rien dire.
parce que ça arrangeait les personnes qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités. C'est la fameuse affaire qui est en train de battre campagne. La célèbre affaire. Il y a certaines personnes qui, parce que ça les arrange, ne veulent pas reconstituer l'histoire. Parce que ça les arrange. Parce qu'ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Parce qu'il est toujours difficile de faire confiance. Non, de se dire qu'on a fait confiance à quelqu'un et qu'on s'est trompé. Ces personnes ont complètement zappé qu'individuellement, nous l'avons tous protégé. Preuve à l'appui. Lui-même ne peut pas venir démentir. Pourtant, ça s'est passé en deux clos, comme on dit, en huit clos, deux personnes. Lui-même ne peut pas venir démentir parce qu'on a des preuves comme quoi on l'a protégé. Pour protéger la résistance, on l'a individuellement protégé. Quand il y avait un problème, on allait le régler inbox. Et j'ai toujours dit aux personnes qui s'offusquaient que, dites-vous que cette résistance, quand il y a des problèmes, ça ne se passe pas dans les forums, ça se passe inbox. Il y en a qui ne dorment pas pour maintenir l'équilibre. Ces personnes ne viennent pas le dire ici. Certaines personnes ont des antécédents individuels. Moi, là, il y en a qui savent que je l'ai protégé. Quand les autres apportaient leur système, j'ai fait ça. Pour protéger, pour garder l'équilibre dans la résistance. Ces personnes-là ne viennent pas vous le dire parce que ça ne les arrange pas. Ces personnes préfèrent voir là où on est tombé, mais ne veulent pas remonter en amont là où on a commencé à glisser. Parce que ça les arrange. Pour venir pleurer aujourd'hui à Mondo Vision. Oh, l'insulte est montée. Oh, l'insulte est descendue. Je vais répertorier le nombre d'insultes qu'on a déjà versées à Emmanuel Macron. Et je vous répète aujourd'hui, comme je l'ai dit hier, Emmanuel Macron n'a même pas le droit, on ne lui donne même pas le droit d'être en arrêt maladie, de tomber en dépression. Droit qu'on me donnerait à moi si je devais encaisser ce genre de choses. Il n'a même pas le droit de tomber malade. Il n'a pas le droit d'être en dépression. Il n'a pas le droit de faillir. Des insultes n'ont jamais tué personne. Dans ce même groupe, quand on essayait de trouver une solution, ces mêmes personnes se sont versées en insultes, croyez-moi. Eh oui, on a même inventé les noms pour le traiter. On peut compiler. Ces mêmes personnes qui viennent s'offusquer là aujourd'hui comme des vierges effarouchées se sont bien étendues en insultes. Ont bien rigolé. Et n'ont pris aucune résolution. Ont attendu que ça se fasse. Ont attendu que le bon Dieu vienne régler la chose. Ont joué à Ponce Pilate. Ces mêmes personnes qui viennent pleurer aujourd'hui. Preuve à l'appui. Nous ont traités de putes. Eh oui, preuve à l'appui. Ces mêmes femmes qui viennent pleurer là. Nous ont traité de pute parce qu'on avait parlé à la personne, on avait eu des discussions. Parce que quelqu'un avait ouvert la porte à celui-là à 5h du matin. Elles ne se sont pas posées la question de savoir pourquoi est-ce qu'il a débarqué à 5h du matin chez la personne. Certaines personnes savent même comment il a débarqué à 5h du matin là-bas. Mais ne viennent pas vous le dire parce que ça les arrange. Oh, la femme noire ne doit pas faire ci. Oh, la femme noire ne doit pas faire ça. Mon gars, je suis une femme noire, j'ai besoin de le réclamer. Non. Tout le monde connaît ma position.
par rapport à la vie que j'ai choisi de mener. Quand je me regarde dans un miroir, je ne vois pas une femme noire, je vois un homme avec un H, point. C'est ce que je vois d'abord. Je suis un être humain. Je ne vois pas une femme noire, je vois un être humain, point. Et c'est comme ça que je vois les autres. C'est un être humain qui me parle. Après, s'il faut préciser que c'était un homme, un noir, c'est accessoire. Je m'adresse à un être humain. Je ne m'adresse pas à un homme noir ou une femme noire. Je n'ai pas besoin de réclamer ma négritude, ça se voit. Être une femme noire, ça ne veut rien dire. Tu prends un nouveau-né afro, tu le poses en Alaska, ce sera un Inuit parce qu'il a été élevé par les Inuits. Nous sommes sociologiques. Nous sommes sociologiques. Notre personnalité, celle qu'on se forge là, elle est sociologique. Ensuite, il y a le bon sens qui équilibre les choses et le libre arbitre. Nous sommes des hommes, point. Et tant que le noir va dire « Oh, ma négritude est montée, elle est descendue », on ne construira rien. On ne construira rien. Et tant qu'on sera bourré de tant de haine, on ne construira rien. J'avais le devoir de tirer la sonnette d'alarme. J'avais ce devoir. Parce que quand il y a un danger dans la société, il faut tirer la sonnette d'alarme. On ne parle pas de justice. On parle de prévention. Ce que j'ai fait, c'est de la prévention. Maintenant, la société prend ça pour comme elle veut. Si quelqu'un pense que c'est faux ou que ça n'avait pas lieu d'être, je t'en prie. Va te mettre en danger. Mais quand ça va arriver, parce que ça arrivera, tu viendras pleurer là comme la femme qui est allée vendre son poisson à Mbongo, qui s'est faite flouer, qui porte la robe du RDPC pour venir pleurer là qu'on la sauve, qu'on l'aide. Et je vais réagir comme j'ai réagi devant la vidéo de la dame. Malgré toute ma compassion, je vais me permettre de m'étendre en connerie à savoir, ben je te l'avais bien dit. Il était de mon devoir, en tant que quelqu'un qui a subi, certains même se sont complaints dans le je suis une de ces victimes. Ah, il y en a que ça a failli arranger un moment. De penser que j'étais une de ces victimes, c'est pour ça que Serge faisait ci, c'est pour ça que Serge faisait ça. À dire qu'on prêche dans le désert. Je tiens juste à soulever que, à souligner et à soulever que l'histoire des agressions sexuelles et des viols, j'ai fait mon coming out quand l'histoire de la petite Germaine est sortie. J'ai dit ici en Mondovision que je suis une victime de viol. C'est pour ça que je ne comprends pas certaines décisions de certaines personnes ou certaines positions. C'était des semaines avant la grande affaire. C'était des semaines avant la grande affaire. Les gens font aujourd'hui comme si j'avais fait mon coming out par rapport à la grande affaire. Parce que ça les arrange. Allez-vous taper toutes les vidéos, s'il vous plaît. Regardez les vidéos. On ne prêche pas dans le désert. Le but n'est pas de prêcher dans le désert. Nous parlons preuve à l'appui. Si ça continue comme ça, comme vous aimez aller pleurer en public, bon, on va tous aller pleurer en public. On nous a traités de putain. Nous sommes allés pleurer en public. Toutes les horreurs que certaines femmes ont versé dans le forum. Nous sommes allés pleurer en public. Où vous voulez qu'on vous sorte ces horreurs-là pour que ça vous revienne? Eh oui. Nos propres soeurs nous ont traités de putes. Preuve à l'appui.
Je suis sortie d'un forum parce que j'ai eu des nausées. Physiquement. Ça m'a donné envie de vomir. Je suis sortie du forum au point d'écraser le forum. Au point d'effacer. Il y a une option. Faire disparaître le forum. Parce que je ne voulais plus tomber sur ce qu'on avait vomi là-bas. J'ai écrasé le forum. Je n'ai pas dit que je suis seulement sortie. Parce qu'on peut juste sortir, on a l'historique. J'ai écrasé l'historique parce que je ne veux plus voir ça. Mais est-ce que c'est pour autant que je suis revenue le lendemain fustiger ces femmes-là? Non. Nous sommes des adultes, chacun est responsable de sa position. Chacun est responsable de sa position, les filles. Est-ce que j'ai essayé de vous convaincre même? Non. J'ai juste fait état des éléments qu'on avait. Après, votre libre arbitre fait son travail ou pas. Je veux bien qu'on aille tous pleurer sur Internet, hein, avec les insultes qu'on a proférées à notre encontre. C'est quand vous voulez, les filles, que je vais sur le mur des lamentations avec ma part d'insultes. Ce jour-là, mes filles ont appris que je suis victime de viol. J'ai pas fait. Quand je me suis sentie mal, j'ai fait des voices dans le forum. J'ai versé ça. C'est sorti comme c'est sorti. J'ai oublié que mes filles étaient là. Le calme blanc qui a suivi dans ma maison. Toute la journée, je ne les ai pas entendues. Elles ont fermé les portes de leur chambre. Quand les gens vont s'étendre, vont sur le mur des lamentations qu'est Facebook. Je suis venue pleurer sur le forum, ne serait-ce que sur le forum. Hein. Je suis venue pleurer. Nous sommes responsables de ce que nous faisons. Quand tu vas provoquer un chien enragé, tu sais bien que quand on le provoque, il te mord. Il finit par s'accrocher sur ta jambe, tu vas pleurer après. Mais tu ne dis pas aux gens que c'est toi qui es allé fabriquer, c'est toi qui es allé te titiller. Il y en a qui vont pleurer là. Elles ont donné le fouet pour être battues. Vous connaissez bien quelqu'un, c'est comme ça que vous l'avez connu. Et nous-mêmes derrière, on arrête la personne. On lui dit que pardon, toi aussi. Tu ne trouves pas que tu exagères un peu? Quand tu ressors, tu vas sur Facebook, tu trouves que la personne a encore fait une publication allant titiller l'autre. Comment est-ce que vous voulez qu'on résolve ça? Dites-moi, comment est-ce que vous voulez qu'on résolve ça? Quand tu essaies de résoudre un problème et un des belligérants, l'instigateur principal, va encore torpiller la défense que tu as mise en place, comment vous voulez régler ça? Pour finir, moi je dis au bourreau que mon gars, je ne suis plus là. Continuez dans votre bagarre. Vous allez vous arrêter quand ça va vous dire. Et c'est ce qui se passe à chaque fois. Les gens créent un problème. Pendant que tu essayes même d'arranger ça là, ils sont là en train de verser l'essence sur ce problème-là. Et ils te disent d'aller arranger. Ils te disent que tu es complice, que tu n'as rien fait. Pourtant, tu es en train d'essayer de calmer les choses. La personne te dit d'aller calmer les choses, mais la personne derrière encore va souffler sur les braises. Le diable de Tasmanie. De vrais diables de Tasmanie. Qui ne savent pas marcher. Qui ne savent que tourbillonner. Détruire tout autour d'eux. Et les premiers à aller pleurer, ce sont ces mêmes diables de Tasmanie. Nous laissant nous autres qui essayons de garder l'équilibre complètement démunis. Complètement démunis. Et tu te demandes à un moment si on ne te prend pas pour un con. Moi, je parle preuve à l'appui. Hein. Je vous sors mes captures d'écran et mes voix. Il y a des moments où je dors à 2h, 3h du matin parce qu'on fait la médiation. Pour qu'en Mondovision, on ait dit que oui, mais on laisse faire. Oh, on est complice. Oh, on est comme la personne. Ça dit, tu restes comme ça, tu as envie de te jeter dans un fleuve.
Autant de foutage de gueule. Moi, je vous dis que je viens aussi pleurer avec ma part d'insulte. Hein. Je viens aussi pleurer avec ma part d'insulte. Moi, j'ai encaissé. Maintenant, je sais avec qui je marche. Je n'ai même pas pleuré dans le forum. Nous n'avons même pas pleuré dans le forum. On a juste acté. Nous sommes des adultes. Tout le monde est doté de bon sens. Du moins, j'espère. Et tout le monde est doté de libre arbitre. Tout le monde est doté de libre arbitre. Nous ne sommes plus des mineurs. Personne n'est responsable des dires de l'autre. Quand quelqu'un pose un acte qui ne t'arrange pas, qui te provoque, eh bien, va voir la personne. Ne viens pas m'introduire dans l'histoire. Je suis dans l'histoire. Je pose souvent la question aux gens. Vous m'avez déjà vu dans des joutes verbales quelque part? Non. Moi aussi, je sais comment on insulte. Je n'ai pas l'insulte facile. Mais je sais comment on insulte. Moi aussi, je peux m'installer dans ce désordre-là. Donc, quand vous avez un problème avec quelqu'un, vous indexez quelqu'un d'autre qui est autour là. C'est juste stupide, mon gars. C'est stupide. Tu m'indexes que je suis sa mère, je suis son père. Je ne suis même pas son avocat. Si je vous dis aujourd'hui que je m'énerve plus contre lui que je ne m'énerve contre quelqu'un d'autre, vous n'allez pas me croire. Quand il merde, je lui dis qu'il a merdé. Quand il faut lui dire d'arrêter, je lui dis, je fais mon devoir. C'est ça d'être proche des gens. Quand il estime que j'ai merdé, il me le dit aussi. Il me l'a dit à Mondo Vision l'autre jour qu'il n'était pas d'accord avec ce que j'avais dit. On s'est expliqué. Est-ce que c'est pour autant que je l'ai accusé de m'avoir mouché en public? Il n'est pas d'accord avec ma position, il me le dit. Puisque je l'ai fait en Mondo Vision, il me le dit en Mondo Vision. Ah oui, pour ceux qui ont suivi le direct, il m'a dit qu'il n'était pas d'accord avec ma position, que son épouse avait dit qu'elle n'était pas d'accord avec ma position sur les gilets jaunes. Je lui ai expliqué où je voulais en venir. Maintenant, est-ce qu'il est d'accord, il est d'accord ou pas? Là n'est pas le problème, je lui ai expliqué où je voulais en venir. Je ne suis pas allé, comment dire? Non, je ne me suis pas offusqué qu'il me mouche en public. Si je merde, ben il a tous les droits de me moucher en public. Parce que quand il mouche les autres, nous sommes là, on ne dit rien non plus. On acquiesce même. Il est grand temps que chacun prenne ses responsabilités, les gars. On ne peut pas passer le temps à faire ça, à faire ça, à faire ça, quand ça nous arrange. Chacun doit prendre ses responsabilités. Il y a des personnes qui ont écouté des victimes, il y a des semaines, voire des mois, qui ont conseillé à la victime au nom de la résistance de se taire. Il y en a qui ont conseillé aux victimes d'aller porter plainte, mais qui n'ont rien dit à personne. Ou qui nous ont... Je me souviens d'une d'entre nous qui est venue nous dire un matin qu'il faut qu'on soit solidaires, qu'on prenne... Souvent, qu'on apprenne à prendre les nouvelles des autres. Parce qu'il y en a qui sont fragiles. Il y en a qui peuvent être fragilisés par des événements qu'il faut qu'on soit solidaire. Je me suis dit quelque part, mais pourquoi est-ce qu'elle nous dit ça? Elle ne nous avait pas dit pourquoi. C'est après qu'on a compris. Elle nous a juste dit qu'il y avait une personne d'entre nous qui était hospitalisée, qui était en psychiatrie parce qu'elle avait perdu pied. Elle ne nous a pas dit pourquoi. C'est quand l'histoire a explosé qu'on a recollé les morceaux, on s'est dit, c'est pas possible. Et aujourd'hui, elle s'en veut. Elle s'en veut d'avoir pris cette décision-là, de protéger. Il y en a qui ont les antécédents de cette personne. Quand je dis antécédents, ce ne sont pas les antécédents qui datent du début de la résistance. Des antécédents qui remontent à très loin. Ces personnes-là ont fait ça. Au nom de la résistance. Et vous êtes tous au courant. Personne ne dit rien. Parce que ça nous arrange. Parce que ça nous arrange. Mais nous avons pris nos responsabilités de l'avoir protégé à un moment. Mais il arrive. Parce que c'était des faits qui n'étaient pas condamnables. Jusqu'à ce qu'on apprenne ce qui est condamnable.
Il faut savoir graduer les choses. En matière d'acte, il y a gradation. Il faut savoir grader les choses. Il y a des actes qui ne sont pas condamnables. Il y en a qui le sont moins que les autres. Et quand une société, une cellule est en danger, on le sait, on a pour devoir d'alerter cette cellule-là, quelle que soit la société dans laquelle on vit. Le Cameroun n'est pas le Cameroun. Parce que quand ça se passe en Occident, tout le monde est content qu'on fasse de la prévention. Quand il y a un danger public quelque part, nous sommes tous contents qu'on nous dise à la télé qu'il y a un danger à tel endroit, qu'il y a un danger dans une école. C'est de la prévention. Mais bizarrement, quand ça se passe dans notre propre maison, on n'a plus le droit de faire la prévention. On accuse des gens d'être jaloux. Jaloux de quoi? Jaloux de quoi? Tout le monde n'est pas enclin à être jaloux. Moi, je vous ai déjà dit que si on n'est pas rempli d'amour, on ne peut pas construire. Si on n'est pas rempli d'amour, on ne peut pas construire. C'est cette haine-là que les gens ont. Ces gens qui ne sont que haine, qui se versent sur Internet pour venir pleurer. Moi, tu me détestes, toi et moi, on se connaît quelque part. Non. Tu auras beau me détester, ça ne change rien à ma pauvre vie. Rien à foutre que tu me détestes. Rien à foutre que tu penses que. C'est pas parce que tu penses que je suis. Soyons. Il faut qu'on soit clair avec ça. C'est pas parce que tu penses que je suis, j'en ai strictement rien à foutre. Si tu as mon macabo, bois de l'eau. Parce que je ne vais pas t'aider à le faire descendre. Bois de l'eau, il descendra. Souffre qu'ils descendent avec de l'eau, parce qu'une comme moi là, et je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, tes paroles ne conditionnent pas ma vie. Un truc devient mon problème parce que j'ai décidé que c'était mon problème. Ce n'est pas toi qui conditionnes mes problèmes. Je le répète ici aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui n'écoutent pas. Nous-mêmes là, on n'écoute pas les directs. Je répète ici que tes dires ne conditionnent pas ma vie. Si tu penses que je suis un problème, c'est pas pour ça que je vais devenir un problème pour qui que ce soit. Il y a des choses que tu ne digères pas. Tu vas sauf que digérer, tu es un adulte. Tu penses que dans nos villas, on digère tout. Il y en a qui pourraient tuer leur patron, mais est-ce que tu es le patron? Non, c'est interdit. Il y en a qui détestent cordialement leur chef. Qui dans leur sommeil même tue leur patron tous les jours. Mais est-ce qu'ils vont le tuer pour autant? Non. Ça change quelque chose à la vie du patron? Non. Nous avons une épine dans le pied qui s'appelle la haine. Et il y en a qui tous les jours s'amusent à enfoncer cette épine un peu plus loin dans la chair. Chacun doit prendre ses responsabilités, les gars. Nous avons le devoir d'alerter. Nous avons alerté. Maintenant, ce que vous faites de cette alerte-là n'engage que vous. Cette alerte ne vous arrange pas. Soit. Mais nous avons fait notre devoir. Et croyez-moi, nous ne l'avons pas donné en pâture. Parce qu'il y a des choses que nous savons. Et nous ne les versons pas là. Parce que tout bien réfléchi. C'est pas la peine. Et c'est pas la peine parce que votre réaction parle d'elle-même. Les Camerounais sont maso. Les Camerounais sont maso. Libre à ceux qui sont maso de continuer dans leur masochisme. Moi, je suis pas maso, hein. Je suis quelqu'un de pragmatique. Quand il a failli protéger, j'ai protégé. Et quand des acteurs, comment dire, criminels ont fait leur apparition, il était de mon devoir d'alerter. Et ça a été difficile d'alerter, croyez-moi. On fustige Serge et Stella aujourd'hui. Ils ont été les derniers à être au courant.
Pour ceux qui pensent que nous sommes dans le Congo, ça, et je dis qu'il y en a là qui sont, qui étaient dans, qui savent très bien que personne ne s'est étendu en Congo, ça. Quand quelqu'un apportait le problème, une comme moi, je faisais S'il s'agissait de Congo, ça aurait éclaté depuis. Entre nous, on aurait fait le Congo, ça. Preuve à l'appui. Preuve détenue par celles qui sont venues pleurer. Elles ont la preuve. Elles étaient aux premières loges pour certaines choses. Que une comme moi. J'étais au courant, mais j'ai fermé ma bouche. Au nom de la résistance. Qu'elles viennent vous dire? Qu'elles viennent vous dire? Parce que c'est trop facile de faire passer les autres pour des diables. Serge a été l'avant-dernier à être au courant. Quand je dis avant-dernier, non, il y a deux personnes avant. Serge a été au courant avant Stella. Et Général Wanto a été le dernier à être au courant là-bas. Bon, je ne parle pas des calibris après. Je parle de l'ordre de parution. Calibri, ça lui est tombé sur la tête. Wouah! Même moi-même, ça m'est tombé sur la tête. Et ils sont au courant, mais ça les arrange de ne pas le dire. S'il y a quelqu'un qui a crié au scandale, quand c'est allé sur la toile, c'est moi. Preuve à l'appui. J'étais comme une dingue. J'étais comme une dingue. Je suis allée sur tous les forums dire que qui a organisé. Parce qu'on a l'impression aujourd'hui que c'est une vendetta. Preuve à l'appui, ces personnes-là ne vous le disent pas. Ces personnes étaient toutes dans le forum. Quand c'est allé sur la toile. Avant même que ça n'aille sur la toile. Quand on nous a dit que c'était imminent. Je suis devenue folle. Je suis devenue folle. Même Stella est devenue folle. Stella était au boulot. Elle m'a dit, pardon, appelle Serge. Moi, je ne peux pas l'appeler. Appelle Serge. C'est quoi ce problème? Pourtant, ce n'est pas Serge qui faisait la sortie. Mais il fallait que quelqu'un nous dise comment ça se fait que ce soit arrivé sur la toile. Que ce soit imminent. On ne vient pas vous dire la chronologie. Il faut qu'on vous donne la chronologie. Je n'aime pas la mauvaise foi. Quand vous donne la... Moi, je suis prête à publier les forums. Mais croyez-moi, si on publie les forums, les hommes à battre, ce n'est pas nous. Hein? Sans se vanter. Moi, je suis chaude pour publier le forum. Les gens qui sont devant le mur de l'alimentation, là, sont chauds pour qu'on publie le forum. Moi, je suis très chaude. Vous allez voir la magie. Des personnes aujourd'hui qui s'offusquent tout ce que les personnes ont pu sortir comme insulte à l'encontre de l'autre. Moi, je suis chaude pour qu'on publie les forums. Hein. Les forums parlent d'eux-mêmes. Parce que venir pleurer là, c'est trop facile. C'est votre version. La version intégrale, c'est le forum. Ce sont les forums. Si on croise ça, vous allez vomir. Vous allez vomir si on vous sort les forums. Et dites-vous que dans l'histoire, là, c'est pas nous, les personnes à abattre. Ce n'est même pas Serge. Loin est Serge d'être, Serge est loin d'être la personne à abattre, croyez-moi. Il a fallu convaincre Serge, qui avait le feu dans la maison. Quand je dis convaincre, moi, mais je suis resté comme ça. Il dit, qui est vraiment l'enfant ici? Et je ne l'ai pas fait dans le dos de quelqu'un. J'ai demandé la permission à ceux qui venaient se confier à moi que pardon, moi là je ne peux plus porter. Pendant des semaines, j'ai gardé ça pour moi, de longues semaines. J'ai gardé ça en moi. Même quand les autres venaient rajouter, remplir le verre. Je n'étais au courant de rien. Jusqu'à ce que je ne puisse plus porter. J'ai demandé la permission à ces personnes si je pouvais transmettre à quelqu'un d'autre parce que moi, je ne pouvais plus gérer.
Et la personne, c'était Serge, qui m'a dit que, oh non, 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 voilà, ce sont des gens aigris qui veulent le descendre, qui veulent. Preuve à l'appui. Ce sont mes captures d'écran, je vous les sors là. Le gars m'a envoyé chier propre. Il devait être 23 heures. Il m'a envoyé chier. Preuve à l'appui. Je suis resté comme ça. Je me suis dit, que, qui est vraiment? Je fais alors comment maintenant? Et il a fallu que je lui envoie des conversations qui n'avaient rien de coupable. C'était juste pour, comment dire, pour lui montrer le mode opératoire. C'est tout. Parce qu'il y avait un mode opératoire. Je ne lui ai même pas dit d'où ça venait. Je lui ai dit que, attends, je t'envoie juste les conversations. Tu finis de les lire et tu me dis ce que tu ressens. Tu vas me dire si ce que toi tu as entendu est différent du mode opératoire que tu vois là. Quand il est revenu, croyez-moi, il était liquéfié. En criminologie, on appelle ça mode opératoire. Je lui ai donné mes conversations pour qu'il se rende lui-même compte qu'il y avait le mode opératoire. Moi, j'étais au courant du mode opératoire depuis longtemps. Mais je n'avais pas encore entendu parler de délit ou de quelque chose de répréhensible devant la loi. Et j'ai fait ça. Et même si j'avais parlé, ce n'était pas du Kongossa puisque j'avais des preuves. Pour ceux qui disent que oh, Kongo ça est monté, Kongo ça est descendu. Il faut aller dire. L'être humain, ma mère m'a toujours dit que l'être humain, il fallait avoir peur de l'être humain. Ben, c'est maintenant que je me rends compte qu'elle avait raison. Parce que les gens ne peuvent pas être au courant de toute l'histoire et de ne prendre que la partie qui les arrange. Aujourd'hui, apparemment, nous sommes des personnes à abattre. Mais moi, je vous dis qu'une comme moi, là, est-ce que c'est quelqu'un qui m'a amené dans l'histoire? C'est personne. J'estime que il y a des choses dans la société camerounaise qui nous conduisent à notre perte. Ce que subit la femme. Ce que subit la femme camerounaise est inacceptable. Pour avoir subi. Et si on va faire les stats, au moins 80 femmes camerounaises subissent tout ça avant l'âge de 30 ans. Au viol, au, et agression sexuelle, au, et maltraitance. Au. Avant l'âge de 30 ans, 80% des femmes camerounaises sont y a passé par là. Et c'est inacceptable. C'est inacceptable. Le viol est une institution au Cameroun et c'est inacceptable. C'est une femme qui a été violée qui vous le dit. C'est une femme qui a subi des attouchements. Elle avait si c'est 8, 9 ou 10 ans. C'est une femme qui a essuyé des tentatives de viol plus d'une fois. Qui vous le dit. Une fois que tu as été violée, croyez-moi, la tentative de viol à côté, c'est. Voilà, c'est peanut. Je suis dans cette lutte, pas pour la politique. Je l'ai dit là, les gens me disent non. La société camerounaise doit changer. Nous devons changer. Tu ne peux pas cautionner une agression sexuelle et venir pleurer quand t'as insulté. Une comme moi, j'agis comme la femme du RDPC, la femme qui est habillée en RDPC qui vient dire que Mbongo doit payer ses 2 millions de poissons. Il faut apprendre à grader les choses. Les actes sont gradés dans la société. C'est comme. Il y a des trucs qui. Je vous dis, ça n'entre pas dans mon cerveau. Le Camerounais ne sait pas faire la différence entre éducation sexuelle et éducation pornographique. Le Camerounais ne sait pas faire la différence. Il va falloir remettre certaines choses à l'endroit. Il ne faut pas que je déborde. Il va falloir remettre certaines choses à l'endroit. C'est trop facile. C'est trop, trop facile de tourner la chose comme ça t'arrange.
Moi, je vous dis qu'on crache tout le forum ici, j'en ai rien à foutre. Publions le forum, ça va faire un sacré roman. Publions le forum, les forums. Ou allons tous, ou même on organise un direct spécial mur des lamentations. Nous, on nous a traité, les ces femmes-là, certaines d'entre elles, elles nous ont traité de putain, carrément. Eh oui. Oui, que nous sommes des femmes de mauvaise vie. On invite les gens à 5 h du matin chez nous, on leur parle, nous avons des conversations avec ces personnes, on s'attend à quoi quand on leur ouvre la porte de nos maisons? Eh ben oui. Vous voulez qu'on aille sur les murs des lamentations? Sortons donc les insultes. Sortons les insultes, les gars et les filles. Je vous en prie. Donc, il faut arrêter avec ce qu'on appelle la sorcellerie là en plein jour. Hein. Il faut arrêter. Vouloir indexer les gens juste pour les diaboliser. Ça ne marche pas, mon gars. Je vous ai déjà dit ça ici bien avant. Hein. Ça ne marche pas avec moi. Je gère des paramètres tellement chiants que j'ai ma propre santé qui est une arme fatale braquée sur moi. Et tu penses que tu vas venir me déstabiliser avec des mots? Si ma propre maladie ne me déstabilise pas. Sérieux. Et je l'ai dit ici plusieurs fois que, viens pas me menacer, les menaces, ça ne marche pas avec moi. Je suis une menace pour moi-même, mon gars. Je ne peux pas aller me coucher là, 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 on vous dit que demain, je ne me suis pas réveillé. Et je vis avec. Quand vous me regardez, est-ce que vous avez l'impression que je suis un mort en sursis? Parce que j'ai décidé que la maladie là n'allait pas me faire ça dur comme ça, du moins que j'allais résister le plus possible. Que j'allais résister le plus possible. Et toi, tu viens là, tu veux me diaboliser, tu crois que ça va marcher? C'est hallucinant quand même. Hein? Il faut souvent écouter les gens. Vous voulez travailler avec les gens, mais vous ne les écoutez pas. Même si Macron m'envoyait le char, vous voyez les chars de guerre là, même s'il programme son missile comme ça, destination moi, rien à foutre. Parce que croyez-moi que la probabilité pour que mon propre corps-ci en finisse avec moi est plus élevée que la probabilité que son missile là vienne me torpiller. Et tu penses vraiment que tu vas me prendre comme ça, tu me donnes en pâture. Tu penses me donner en pâture. Parce que c'est pas parce que tu me brandis comme ça, tu fais comme ça que tu m'as donné en pâture, mon gars. Ça ne marche pas. Les loups marchent entre eux, les agneaux marchent entre eux. Vous dites, c'est-à-dire, vous êtes toujours en train de dire, ah oui, toi tu dis que tu ressens ceci. Ou bien l'autre est ton ami. Est-ce que tu penses que la personne est ton ami? Et vous croyez que c'est comme ça que le monde tourne? Vous pensez que quand tu éprouves quelque chose pour quelqu'un, tu dois forcément en attendre la même chose en retour? Moi, je ne suis pas rempli de haine. Je ne suis pas rempli de haine. Pourquoi est-ce que tu veux que je me pose la question de savoir si ce que l'autre représente pour moi, je représente la même chose pour elle? Non! Mais j'en ai rien à foutre de ce que la personne représente pour ce que la personne pense que je représente pour elle. Et mais sans rien en attendre en retour, vous savez ce que c'est? Mon ressenti ne dépend pas de sa position. Non, du tout. Sinon, les parents n'aimeraient plus leurs enfants qui déconnent. Quand un enfant déconne, est-ce que ses parents l'aiment moins parce qu'il déconne? Pourtant, il y a des cas sociaux, il y a des assassins que leurs parents adorent. Que les parents n'ont jamais cessé d'aimer. Pourtant, ils ont commis des crimes majeurs. Vous pensez que les sentiments, c'est quoi? C'est une voiture, on tourne comme ça, on réajuste. Non. Non, du tout. Et vous n'avez toujours pas compris une chose que c'est, je vous rappelle tous les jours. La personnalité que vous voyez là, c'est pas.
Peut-être qu'il va falloir qu'on fasse des vidéos sans que on ne soit au courant. Je n'ai pas la personne que vous voyez à l'écran là. Il vous a déjà dit que cette posture, c'est par rapport aux personnes qu'il en face. Même quand il nous taille, nous autres là, c'est pas pareil. Et ces mêmes personnes oublient que Serge, très souvent dans le forum, il y a des semaines où le gars ne dit rien. C'est quand ça commence à partir dans tous les sens qu'il lit, même s'il y a 2000 messages, il lit tout ça, il répond. Il y a des moments où il ne. Preuve à l'appui! Preuve à l'appui. Il y a des moments où on l'entend pas, des semaines même. On l'entend pas, on se dit que mais Serge est passé où? Les gens ont l'impression que le gars est dans la vendetta où il est, il passe son temps à insulter à tout va. Non. Nous, Marocains, nous sommes les premiers à étonner de ne pas le voir. Chacun doit être responsable de ce qu'il fait, les gars. Chacun doit prendre ses responsabilités et apprenez à grader les actes. Dans n'importe quel code civil, à part au Cameroun, ou dans n'importe quel code de quoi que ce soit d'ailleurs, dans n'importe quel code pénal, même chez les Martiens, on ne met pas l'insulte en face de comment on appelle, d'agression sexuelle. Nulle part. Même au Cameroun, où on pense là que le Cameroun, c'est le Cameroun. Dans aucun code pénal. Même au Cameroun, où on fait la perquisition. Et tu fais partie des choses qu'on embarque. Ouais, même au Cameroun. Il faut apprendre à grader les choses. Au mieux, l'insulte, c'est un délit. Au mieux. Et délit est en dessous de crime. Au mieux, si tu arrives à prouver qu'on t'a insulté. C'est en dessous. Le délit, c'est en dessous le crime. Je vais voler une pomme là, c'est un délit. Je fraude, c'est un délit. Je fraude là, je ne paye pas les transports en commun, c'est un délit. On me colle une amende. Par rapport au délit, au mieux tu te prends un rappel à la loi. Devant un tribunal de police, très souvent même d'ailleurs. Hein. Pas devant. Un tribunal de grande instance ou non, devant le tribunal de police. Une agression sexuelle, c'est un crime. Et il ne s'agit aucunement de justice quand on fait de la prévention. Dans ce pays où nous vivons, dans ces pays occidentaux, par rapport à ça, on fait de la prévention. Parce que si on ne fait pas de la prévention, on met la société en danger. On fragilise la société. Prévention, prévention, prévention. Et très souvent, les accusés sont en préventive. Ce n'est pas parce que la victime n'a pas porté plainte que l'acte n'a pas existé. Il y a des personnes qui se font cambrioler, qui ne portent pas plainte. Hein. Il y a des gens qui se font agresser dans la rue, là, comme ça, physiquement, qui ne portent pas plainte. Est-ce que c'est pour autant qu'ils n'ont pas été agressés? Il y a des gens qui se font bien tabasser dans la rue, là. Ils ont le droit d'aller porter plainte. Hein. Mais il y en a qui ne le font pas. Ils gèrent ça autrement. Donc, dire aux gens que, est-ce que vous avez la preuve? C'est pas parce qu'on ne vous a pas brandi la preuve que ça n'existe pas. Donc, soyez responsable de quelque chose un jour. Ce n'est pas parce que tu bottes en touche que ça n'existe pas. Pour ceux qui pensent que c'est une fatwa, grand bien leur fasse. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, je suis chaude pour le mur des lamentations.
Je suis chaude pour le mur des lamentations. Parce que cette même personne qui vient m'indexer aujourd'hui, elle est parmi les rares personnes. Ils sont deux à être entrés dans mon inbox lors de la crise. Quand j'ai versé ma propre histoire comme ça sur le forum, il était le premier, celui qui m'a indexé hier, là, il était le premier à me dire que, ah, oui, il compatit, mais il espère que ça va pas me créer préjudice. Que... Je lui ai dit, est-ce que tu crois que j'ai peur que mes inbox, que mes messages, mes voix commencent à se balader dans le monde entier? Non. Je suis une adulte. Quand moi je l'ai subi, je n'avais aucune épaule sur laquelle pleurer. Aujourd'hui, si je peux me battre pour que ça n'arrive plus, ou bien que pour que ça arrive le moins possible, pour que les autres femmes n'aient pas à traverser que moi, ce que moi j'ai traversé seule, je me fiche pas mal que ces voices arrivent sur Mars. Rien à foutre. Si quelqu'un pense pouvoir, devoir utiliser ces voices-là, grand bien lui fasse. Et je veux même que la personne me tague. Je veux que la personne me tague. Quand la personne va utiliser mon voice ou je leur verse ce qui m'est arrivé. Parce que ce n'est pas un mystère. J'ai regardé les stats. Et si on est réaliste, hein, il y a au moins 20 000 femmes qui se font agresser sexuellement et violer au Cameroun. Chaque année, au moins 20 000 femmes. 20 000. Minimum. Donc, on ne vienne pas me dire là que mes voix se vont. Je lui ai dit non, c'est gentil. Moi, je le reconnais. Ils sont deux hommes en plus, à être venus me dire que, oh, ils compatissent et tout. Courage à toi. Mais il en fait partie. Mais hier, il m'a tenu comme ça, pensant qu'il allait me jeter en pâture. Non, mais sérieux, mon gars. Tu as regardé la femme que je suis là. Je suis pire qu'une ampoule grillée. Je répète que si ma maladie n'a pas pu m'ébranler, ce n'est pas un individu. Ce n'est pas un individu qui viendra m'ébranler, les gars. L'individu là n'existe pas. Tout simplement parce que pendant longtemps, comme beaucoup de personnes, j'ai vécu en tenant compte des autres, de oh, tel a dit que, tel va dire que, tel. Non, on a tous été nourris avec le même biberon. Depuis que j'ai eu un 4 sur mon âge, qu'on a mis 4 comme ça, j'ai dit que désormais, les gars, je n'arrondis plus les angles pour certaines choses. J'ai arrondi les angles pendant 39 ans. À partir de 40, je n'arrondis plus les angles. Parce que quand tu passes ton temps à arrondir les angles, c'est du foutage de gueule. C'est toujours toi qui as empathie. Je suis devenu quelqu'un de très pragmatique. Quand il y a un problème, tu attrapes le problème, tu le règles. Je vous ai dit que j'ai une file de problème, non? Ah, je dis, pardon, alignez-vous. Alignez-vous. Et je grade. Je grade les problèmes et je les gère. Passer le temps à mettre la poussière sous le tapis ne nous aide pas. Il y a certaines personnes qui préfèrent croire que ce n'est pas vrai. Mais ça, c'est leur problème. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et je vous dis que je ne suis pas quelqu'un qui fustige les victimes. Mais je dis juste à toutes ces femmes-là que si vous continuez à fréquenter quelqu'un de dangereux, ce qui doit arriver va arriver parce que ça arrivera. Quand tu viendras là sur le mur des lamentations pleurer, je vais me permettre de te dire que, mais n'est-ce pas, je te l'avais dit, parce que j'ai fait mon devoir. Nous ne sommes pas des enfants. Nous ne sommes pas des nourrissons à qui il faut apprendre que le feu brûle, l'eau s'amouille.
Nous ne sommes pas des enfants. A fortiori, quand tu as les preuves ou une partie des preuves, tu ne peux pas traiter une victime de putain et venir dire aux gens qu'on t'a insulté et les accuser après ne t'avoir pas défendu. Mais ma chère, tu m'as traité de putain? Est-ce que je suis allée sur le mur des lamentations? Non. Est-ce que je suis une putain? Non. C'est pour ça que ça m'a pas touché. J'ai juste souri et dit, waouh, il y a du boulot. C'est tout ce que j'ai dit quand tu m'as traité de putain. Les personnes se reconnaîtront. Hein. Ah ouais, on en a eu pour notre grade. Hein. Est-ce que vous nous avez vu sur le mur de lamentation? Non. C'est pour ça que moi, j'ai dit que je suis chaude pour sortir le forum. Les forums, parce qu'il y en a plusieurs. Nous nous sommes battus pour que l'histoire ne change pas. Vous pensez que c'était quoi? C'était du cinoche. Quand nous avons essayé d'arrêter l'hémorragie, vous étiez là, vous étiez en train de taper les divers, en train de créer même des mots. En train de créer des qualificatifs. Quand nous avons essayé d'arrêter l'hémorragie parce que il ne fallait pas que ça sorte. C'est pas le même Serge là qui a essayé de contenir. Avant même que tout le monde ne soit dans le forum, les infos sortaient déjà. C'est nous qui avons sorti ça. Les gens qui n'étaient pas dans le forum étaient au courant. C'est nous qui avons sorti ça. Non, mais il faut arrêter la sorcellerie à un moment. Moi, je vous dis que je suis chaude pour qu'on sorte les archives. Des personnes qui étaient hors forum étaient au courant comment? Pourtant, nous étions là quand ça a commencé, nous autres. Mais on nous appelait pour nous dire que c'est derrière dans les inbox extérieurs. C'est nous qui avons sorti ça. Est-ce que c'est nous qui avons sorti ça? Et il est clair que si on n'avait pas... Si Serge n'était pas allé en Mondovision comme ça, cette histoire-là allait fuiter. C'est clair. C'est mathématique, les gars. Ça allait sortir. Et ce sont les mêmes là, vous là, qui seraient venus nous dire que oh, vous l'avez protégé parce que c'est votre personne. On vous connaît. On vous connaît. C'est trop facile de se victimiser. C'est ce truc qui m'énerve chez nous autres afro. L'auto-victimisation. On trouve toujours une raison pour s'auto-flageller, se victimiser. Cette histoire-là, Serge ne l'aurait pas sortie. Hein. Elle serait sortie quand même. Et pas nous-mêmes là, qui sommes devant le mur des lamentations, parce qu'on avait commencé. On avait commencé à sortir les trucs du forum. Et c'est quand on a vu ça, qu'on a préféré ramener tout le monde dans le forum pour que ça y reste. Combien de fois on a menacé dans le forum que ça ne devait pas sortir? Pensez que c'était le cinoche. Avec tous ces protagonistes-là, quelqu'un peut nous dire aujourd'hui que c'était maîtrisable. On avait le concerné lui-même là-bas qui avait déjà fait une sortie. Vous pensez qu'il avait fait la première sortie? Pourquoi? Quand il a dit que les Amazones, toutes les femmes de la Révolution le draguaient, vous pensez que c'était pourquoi? Vous pensez que c'était juste parce que... il faisait le chaud lapin. Non. Lui-même s'apprêtait à sortir l'histoire, mais en sa faveur. Vous-même là, femme qui est dans la résistance là, vous serez venu chialer. Vous serez venu chialer. Parce que quand il a dit que toutes les femmes le draguaient, vous vous êtes pas offusqué. Il faut souvent arrêter de prendre les gens pour des cons. Moi, je vous dis que je suis chaude. Je dois aller bosser. Je suis chaude pour le mur des lamentations. On y va. Hier encore, regardez mon direct d'hier, pardon. Regardez-le. Écoutez-le. Surtout écoutez. Écoutez-le. Pour que dans la journée, les gens viennent. C'est-à-dire... Why? Hey, le peuple camerounais. Un peuple en cours de mutation. En cours de mutation. Dans la connerie totale.
Non. Que celui qui allait m'indexer hier, là, a écouté mon direct du matin, il va. Mon gars, il vous a dit que la vie, hein, c'est comme le jeu d'échecs. C'est comme le jeu d'échecs. Quand on marche là-dehors, il faut qu'on ait toujours minimum un coup d'avance. Il y a des personnes qu'on voit, on vous voit arriver à chaque fois. Regardez mon direct de hier matin, s'il vous plaît. Regardez mon direct de hier matin. J'ai rigolé, hein. J'ai rigolé quand on m'a prise comme ça pour m'indexer, rigoler, dit waouh, dit que ce matin encore. Et j'en parlais. C'est pathétique, hein. C'est dommage. Parce que il y a du boulot. On va sauf qu'arriver, les gars, ne vous inquiétez pas. On va sauf qu'arriver. Nous sommes condamnés à arriver. Même si nous nous tapons dessus comme nous faisons là. Parce qu'il est difficile de changer. Nous allons sauf qu'arriver. Nous sommes condamnés à arriver pour sauver le Cameroun. Nous sommes condamnés à y arriver. Et dans cette résistance-là, personne n'a donné d'accréditation à l'autre. Donc, tout ce que tu peux penser là, étant donné que tu n'as pas encore fait la révolution ou que ce soit, et tu es arrivé au bout de la chose, nous sommes tous des profanes. Nous sommes tous des profanes. Donc, quand tu dis que moi je fais mal, apporte-moi la preuve que toi tu fais bien. Et étant donné que de toute façon, tu ne m'as pas donné d'accréditation. Tu ne peux donc pas récupérer ton accréditation. On est d'accord. Tu ne peux pas. Je suis là avec ma propre personne, à agir selon ma propre conscience. Nous ne sommes pas greffés sur un serveur. Nous ne sommes pas des ordinateurs. Je suis plus, et croyez-moi, je vous le redis, hein, je suis plus en désaccord avec le fonctionnement de Serge que je ne le suis par rapport au fonctionnement de quelqu'un d'autre. Parce que nous ne réglons pas les choses de la même façon. Même Platini, qui est son frère, vous l'a dit hier. Chacun a sa façon de régler les problèmes. Mais quand ça ne peut plus durer, on dit Serge, s'il te plaît, nous, on a foiré. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand il y a un problème, on essaye de le régler avant que Serge n'arrive, parce que Serge, lui, il est extrémiste. Et les personnes qui sont dans ces forums-là pour vous le dire, des fois on se bat, Serge n'est pas là. C'est quand on arrive au bout de notre façon de faire que Serge s'en mêle. Ils peuvent vous le dire. Parce que les gens ont l'impression que Serge est toujours là. Ah non! Non, très souvent il n'est pas là. Très souvent on essaye de gérer, juste parce qu'on merde. Et j'avoue qu'on merde souvent, on n'arrive pas à gérer. Avec notre façon de. Non, 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 tu sais que non, il faudrait pas que. Non, lui il arrive, il tranche dans le vif, comme le chirurgien. Quand le chirurgien opère, il ne tremble pas. Nous, nous tremblons. Quand nous essayons de régler des problèmes, on tremble. Oh oui, hein? Oh le sentiment a fait que, oh ouais, ah vraiment, hein? Non, il y a des choses qui ne se règlent pas comme ça. Il y a des choses, on prend les sentiments, on met de côté, on tranche et on avance. Donc dites-vous que dans cette révolution, ce sera toujours comme ça. Bonjour Platini, ce sera toujours comme ça. Nous autres, et je l'ai toujours dit dans les directs, nous n'avons pas la même personnalité. De tous les résistants, nous n'avons pas la même personnalité. Nous nous sommes là à essayer de conscientiser. Ah, vous voyez bien qu'on ne peut pas y arriver. Et un jour arrivera où ceux qui ont une autre manière vont seulement nous pousser. Que pardon, laissez-nous avoir votre bavardage. Le bavardage, là, nous, on ne veut plus l'entendre. Ils vont utiliser autre chose que le bavardage. Et disons-nous que la résistance, si c'est comme ça que ça va être,
Étape 1, étape 2, étape 3. Et ce n'est pas nous qui avons toutes les étapes. Nous sommes l'apéritif, oh. Nous sommes l'apéritif, hein. Bientôt, l'entrée va nous pousser. L'entrée va nous dire que pardon, pardon, dégagez vite. Arrivera le plat de résistance, arrivera le dessert. Il faut que tout le monde se le mette dans la tête. Et il y aura toujours ce genre de haut et ce genre de bas. Tout simplement parce que nous autres n'avons toujours pas accepté que le Cameroun est au-dessus de nos petites personnes. Que ce que nous faisons aujourd'hui, nous ne le faisons pas pour nous. Nous le faisons pour ceux qui viendront. Parce que le Cameroun meilleur, beaucoup d'entre nous ne le verront pas. Nous préparons le terrain pour ceux qui viendront après. C'est à nous de poser les jalons. Il y a beaucoup de personnes qui pensent là que elles vont finir ministre de je ne sais pas quoi. Ces personnes n'acceptent pas que quand la révolution elle-même va avoir lieu, nous autres ne serons pas là. Nous faisons ce que nous avons à faire, nous déblayons. Une fois que chacun aura compris cet état de choses, ça va mieux aller. On ne dit pas que ça va être facile, mais ça ira mieux. Les gens vont cesser de se tirer dans les jambes. Donc, dites-vous que une comme moi là, je n'ai plus aucune sensation. Ah oui, j'ai plus aucune sensation. Tu auras beau tirer sur moi. Si ce n'est pas justifié, ça ne me touche pas. Que ce soit bien clair. C'est quand vous voulez qu'on organise un mur des lamentations. Vous avez vu le système de Jacques Chouanan. On s'organise un petit zoom. Mur des lamentations. Preuve à l'appui. Hashtag balance ton forum. C'est quand vous voulez. Moi, je suis chaude. Sur ce, passez une bonne journée. Et je répète. Arrêtons l'hypocrisie. Balançons les forums. Laissons le mur des lamentations trancher. Quand je parle du mur des lamentations, ce sont les internautes. Hein. On balance le forum quand vous voulez. Quand vous voulez, on balance le forum. Preuve à l'appui. Il ne suffit pas d'aller pleurer parce que ça t'arrange. A fortiori quand c'est toi qui as organisé. A fortiori quand c'est toi qui as organisé. A fortiori quand tu étais dans les débats. Toi-même, tu étais insulteur public. Aujourd'hui, veuve, vierge effarouchée. Moi, je vous dis, je compile dans la journée, là, je compile les insultes. Je compile. Les insultes que chacun a pu proférer, les mots que chacun a pu inventer pour le traiter. Je compile tout ce que les femmes ont pu vomir. Toutes les tournures de phrases qu'on a pu utiliser pour nous traiter de putain. Parce qu'on avait eu des inbox avec. Parce qu'on avait ouvert les portes à 5 h du matin. Oh, je vous dis, moi, je suis chaude pour compiler. Hein. Je fais une jolie publication dans quelques heures. Hashtag balance le forum. Et ces personnes qui sont sur le mur, devant le mur des lamentations, là, je les invite à venir se lamenter. Et on verra qui a plus de raisons de se lamenter. Moi, je suis chaude, chaude comme la braise. Que ma propre soeur m'ait traité de putain, que j'étais une femme de mauvaise vie, pour l'entendre s'offusquer qu'on a insulté quelqu'un. Non, mais sérieux, on est où là? Apprenez à grader la vie, jusqu'à preuve de contraire. Au mieux,
L'insulte, c'est un délit. Au mieux, je dis bien au mieux, il faut prouver qu'on t'a insulté. Hein. Il suffit pas d'aller à la police dire que on m'a traité de conne. Si la personne peut prouver que tu es conne, ah ben c'est pas une insulte. Jusqu'à preuve de contraire, au mieux, insulte, c'est un délit. Et jusqu'à preuve de contraire, même chez les Martiens, agression sexuelle, c'est un crime. Je parle juste d'agression sexuelle. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas la différence, le pas à franchir entre le viol et agression sexuelle, allez regarder dans le dictionnaire. Je dis rien qu'agression sexuelle. Agression sexuelle. Allez lui lire ce que c'est. Vous-même, vous allez mettre les mains sur la tête. L'agression sexuelle, c'est un crime. Je ne parle pas de viol. Le viol, lui, alors. Agression sexuelle, c'est un crime. Au mieux, insulter, si tu arrives à prouver qu'on t'a insulté, c'est un délit. Et je ressors de là avec un rappel à la loi. Vous savez ce que c'est un rappel à la loi? C'est on prend la règle, on fait ça. Tu sais que c'est pas bien d'insulter. C'est ça le rappel à la loi. Hein? Tu sais que la loi dit qu'il ne faut pas insulter. Tu as insulté. Ça, c'est pas bien. Ne recommence pas. Rappel à la loi. Agression sexuelle, c'est un crime. Ngata. Pour être terre à terre. Donc, vous ne pouvez pas prendre les mêmes choses et mettre ça sur la même étagère. Et venir pleurer sur le mur des lamentations. Mur des lamentations devant lequel je suis chaude. Je suis chaude à affronter le mur des lamentations, les filles. C'est quand vous voulez. Vous me validez l'histoire là dans la journée. On poste le forum. Dans la journée, on poste le forum. Sur ce, passons une bonne journée. Et dites-vous que nous sommes condamnés à y arriver. Que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas, tu n'es pas obligé de m'aimer. Hein? Hein? Je l'ai dit hier, nous ne sommes pas obligés de nous aimer. Mais nous sommes condamnés. Nous sommes condamnés à sauver le Cameroun. Mais nous ne sommes pas obligés de nous aimer. Une fois la révolution aboutit, si on veut même s'entretuer, on pourra s'entretuer. En attendant, nous avons du boulot. Que ma tête te revienne ou pas. Que ma façon de faire te revienne ou pas. Nous sommes condamnés à sauver ce foutu pays. Que ce soit bien ancré dans vos cerveaux. Et pour y arriver, nous allons devoir nous asseoir sur nos égaux. Nous allons devoir faire passer ce Cameroun-là devant nous. Nous allons devoir porter ce Cameroun-là sur nos dos, au point de disparaître sous le poids du Cameroun. Et ceux qui pensent là qu'ils ont la science infuse, bien la meilleure façon d'être révolutionnaire, mon gars, tu ne donnes pas encore d'accréditation. Et tu n'as pas encore la maîtrise en matière de révolution. Tu n'as passé aucun diplôme. Donc tu ne peux pas être mon examinateur. Nous sommes tous à égalité là, que ce soit un jour de révolution ou bien 10 ans. Parce que personne n'est encore allé au bout de la chose. Personne ne peut donner de leçon à l'autre. Sur ce, passons une bonne journée. Hashtag, sauf que condamné à sauver le Cameroun. Si vous voulez que ça se fasse chacun dans son coin. Ce sera plus laborieux, mais nous sommes condamnés à y arriver. Bonne journée à vous.